Félix Tshisekedi dit durcit le ton face aux ambassadeurs accrédités en RDC. Il n'est pas question de négocier avec les rebelles qui occupent illégalement le sol congolais. Le président de la République s'exprimait au cours de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Insécurité dans les communes périphériques de Kinshasa, dans le quartier Mikondo, dans la commune de Kimbanseke. Les populations quittent leur habitation, même les agents commis à la sécurité ont déserté les soucis. Un cri d'alarme est lancé pour solliciter un retour à la paix et le rétablissement de l'État pour contrer le phénomène Kuluna qui a élu domicile. Et à Kimpese, dans le Congo central, un couvre-feu est décrété pour mettre fin à l'insécurité. En sport, Cannes 2023, les hostilités des quarts de finale démarrent ce vendredi à l'affiche Nigeria-Angola, République démocratique du Congo-Guinée. Et hier, en huitième de finale, les Bafana ont rejoint le Mali et la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer à la une. Félix Tshisekedi a présidé hier mardi au Palais de la Nation la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux avec le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Il a durci le ton, déclarant qu'aucun dialogue n'est envisageable avec le Rwanda tant qu'il occupera une portion du territoire congolais. Héritier Tambwa. Lors de la cérémonie, le chef de l'État Félix Tshisekedi a une nouvelle fois rappelé les 6 engagements majeurs de son nouveau quinquennat, à savoir plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité pour tous, une économie plus diversifiée et plus compétitive, plus d'accès aux services des bases et des services publics plus efficaces. À cette même occasion, le président de la République a remercié le corps diplomatique pour son soutien indéfectible et a rassuré que la RDC demeurera un espace de coopération ouvert à tout partenariat gagnant-gagnant dans le strict respect des lois nationales et conforme à son nouveau projet de société. Abordant la crise sécuritaire qui sévit dans l'Est, Félix Tshisekedi a rappelé la position du pays sur l'agression rwandaise. Aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle qu'en soit l'étendue, une portion de notre territoire, a indiqué mardi Félix-Antoine Tshisekedi. Le président de la République a par ailleurs évoqué plusieurs actions diplomatiques que son pays a posées en 2023. Il a cité par exemple l'accueil de certaines personnalités telles que le pape François, le président français Emmanuel Macron et l'organisation des 9e Jeux de la Francophonie. Après l'installation du bureau d'âge à l'Assemblée nationale, la validation des mandats des députés élus provisoirement, l'élaboration du règlement intérieur et l'installation du bureau définitif, telles sont les étapes à suivre dans cette 4e législature de la 3e République. Et suivez les détails développés par la rédaction avec Jean-David Kilolo. Le bureau d'âge de l'Assemblée nationale, dirigé par Christophe Mbosson-Kodia comme doyen d'âge et assisté de 2 jeunes, a été officiellement installé. Cette installation officielle marque le lancement officiel de travaux de la 4e législature à la Chambre basse du Parlement. Dans son discours des circonstances, Christophe Mbosson-Kodia a étalé les étapes qui suivront après l'installation du bureau d'âge. Pour Christophe Mbosson-Kodia, premièrement, ils devront procéder à la validation du pouvoir des membres de l'Assemblée nationale. En effet, selon les us et coutumes parlementaires, il sera mis en place 26 commissions provinciales chargées d'examiner les dossiers de l'élection des députés nationaux transmis par la Commission électorale nationale indépendante. À l'issue de l'examen de l'ensemble des dossiers et de l'adoption des rapports des commissions et sous réserve de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale se prononcera sur la validité du pouvoir des. Après, l'étape viendra la période de l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Aussitôt, après la validation du pouvoir, et toujours selon les us et coutumes parlementaires, en second lieu, le député devra mettre en place une commission spéciale chargée de l'élaboration du projet des règlements intérieurs à soumettre à l'Assemblée plénière pour adoption.
une fois adoptée et comme l'exige l'article 112 alinéa 3 de la Constitution. Ce règlement intérieur sera transmis par le président du bureau provisoire à la Cour constitutionnelle pour examen de sa conformité à la Constitution dans un délai de 15 jours. Ensuite viendra l'étape de l'organisation des élections du bureau définitif et son installation officielle. Dès la signification de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est la conformité du règlement intérieur à la Constitution et toujours conformément aux us et coutumes parlementaires, le bureau provisoire publiera le calendrier de l'élection et de l'installation de membres du bureau définitif. Sur le 477 députés nationaux élus provisoirement, 337 membres sont de nouveaux élus, marquant un taux de renouvellement de 71%. À l'inverse, 140 membres sont réélus, représentant 29% du total. En ce qui concerne la représentation genrée, 61 membres sont du genre féminin, équivalent à un taux de 13%, tandis que 416 membres sont du genre masculin, représentant 87%. En attendant les résultats définitifs au niveau de la Cour constitutionnelle et l'organisation des élections législatives nationales dans les autres circonscriptions électorales à problèmes tels que Rutshuru et Masisi dans la province du Nord Kivu, Akwamut dans la province de Maïndombe, de Massimanimba Kouilou, Yakoma Nord Kivu et autres, cette session inaugurale concerne tous les 477 députés nationaux proclamés provisoirement élus par la Commission électorale nationale indépendante. 4 morts, dont 3 policiers en civil ainsi que 6 blessés, dont 3 graves. C'est le bilan des échauffourées entre les forces de l'ordre et les manifestants qui protestaient contre l'insécurité à Kimpese dans le Congo central. Un couvre-feu d'une semaine est décrété et cette mesure exceptionnelle va de 20h à 5h du matin. Joint par la rédaction depuis Kimpese, Papi Mambo Luamba, ministre provincial de l'Intérieur au Congo central, nous donne ici de plus amples explications. Ce qui est à la base de la demande de cette ville morte, qui a causé mort d'homme à Kimpese, il réclamait le départ des policiers qui ont passé plus de 15 ans, 20 ans ici à Kimpese. Deuxième revendication, c'est autour de la SNEN, qui à chaque 0h procède à des coupures pour permettre aux malfrats d'opérer. Troisième revendication, c'était autour de la riche des eaux, la surfacturation de l'eau. Et quatrième revendication, c'était autour des magistrats du parquet qui, leurs amendes traditionnelles, sont fixées à $1 américain. Donc, de $500 à $1000. Voilà tout ce qui a construit leurs revendications. Et présentement, hier, je suis arrivé à Kimpese. J'ai changé. Ce n'était pas facile avec la population, avec les organisateurs. Et nous avons quand même pu arracher la première demande qui était de relever tous les policiers et vrai ici à Kimpese qui ont passé plus de 15 ans, 10 ans et on les a tous embarqués, ils sont présentement à ma tête. Et ce matin, depuis hier à 20h, la circulation est totale sur la nation numéro 1. Ce matin, nous sommes là avec des membres du comité local de sécurité. Nous attendons les gouverneurs de province qui sont en route pour Kimpese en fait de tenir une réunion élargie et aux membres du comité provincial de sécurité et aux organisateurs au niveau de Kimpese. Voilà la situation à Kimpese. Le calme est là, la population va librement à ses occupations et je suis encore là parce que je dois continuer ma mission jusqu'à ramener la paix totale ici à Kimpese. 15 blessés, 3 graves et 12 légers et il y a eu 4 morts comme bilan jusque-là. Voilà, vous avez compris, le bilan a été revu à la hausse. Insécurité toujours, le quartier Mikondo dans la commune de Kimbantsek est confronté au problème d'insécurité. La population qui ne sait à quel sens vouer quitte leur domicile comme en temps de guerre. Elle lance un cri d'alarme aux autorités compétentes pour remédier à ce problème. Incroyable mais vrai, le quartier Mikondo dans la commune de Kimbantsiki, à l'est de la ville de Kinshasa, risque de devenir une zone incontrôlée si l'on n'y prend garde. Ici, les bandits urbains, communément appelés Kuluna, sèment terreur et désolation. Ces derniers tuent, pillent et détruisent les biens des paisibles citoyens. À leur passage, les maisons des particuliers et les centres de santé sont vandalisés.
pour sauver leur vie, les malades se voient dans l'obligation soit de changer de centre de santé ou carrément d'aller retarder l'échéance de leur mort à domicile. Conséquence, les personnels soignants ferment carrément leur centre. Pire, ces coulounas s'attaquent même aux tuyaux de la régie des eaux qu'ils coupent et au poste de la police. Face aux menaces de ces inciviques et pour se sauver, les policiers désertent leurs offices pour s'y réfugier dans un autre quartier. Abandonnée à elle-même, la population qui ne sait à quel sens s'est vouée quitte leur maison comme en temps de guerre. Insécurité et l'équipe. Kouluna et l'équipe. Nous sommes très exposés. La police, sans s'éveiller sur nous, a pris la fuite. Les malades ont quitté les hôpitaux, que les autorités trouvent une solution. D'autres, par contre, faute des moyens, ne savent où aller se réfugier. Malgré cette situation qui nous préoccupe, nous savons où aller. Du côté de la police, le commissaire divisionnaire adjoint de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, préoccupé par la situation sécuritaire dans la ville, a fait savoir que désormais, tout bandit urbain, Kouluna, passera devant la justice militaire. Une mesure prise pour lutter efficacement contre le banditisme urbain qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Et dans l'actualité, toujours des éléments de l'armée ougandaise lourdement armés sont entrés en masse sur le sol congolais à travers le territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu dans l'est du pays, alerte la société civile de ce coin selon le communiqué du Conseil territorial de la jeunesse du territoire de Rutshuru rendu public hier mardi. Les militaires ougandais sont entrés via la frontière Kitagoma depuis la semaine dernière. Cette opération vise à renforcer en hommes et en munitions les terroristes du M23 RDF qui sont actuellement en déficit des troupes et des munitions. Ces derniers exhortent le gouvernement congolais et la communauté internationale de condamner fermement l'Ouganda pour son soutien total aux terroristes du M23 RDF. Autre chose, on parle de la revanche du sol sur le sous-sol. La République démocratique du Congo est dans l'obligation de s'autosuffire sur le plan alimentaire. Telle est la volonté ferme du chef de l'État Félix Tshisekedi que le ministre de l'Agriculture veut à tout prix matérialiser. Après les tracteurs, José Mpanda a remis ce lundi les véhicules au directeur de l'agriculture pour leur mobilité sur terrain en ces débuts de la saison agricole A. Avec ses 80 millions de terres arables, la République démocratique du Congo peut facilement atteindre l'autosuffisance alimentaire et même exporter sa production. Ceci permettra au pays d'économiser 3 milliards de dollars dépensés chaque année dans l'importation des produits alimentaires. Telle est la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses deuxièmes quinquennats. Pour matérialiser cette grande vision, le ministre de l'Agriculture a tenu à redynamiser les directeurs de son ministère après leur mise en place. Et dans cette quête de la réussite de ces vastes programmes, la mobilité est d'une importance capitale. Maître José Mpanda Kabangu tient à doter tous les directeurs des véhicules selon leurs services respectifs. Ce sont les biens de l'État. Il faut que ce soit utilisé en bon père de famille, en responsable, pour que nous battions ensemble ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi attend de nous. C'est de donner à cette population à manger. Un voyage de 1000 km commence par un pas. Deux des 29 directeurs sont les premiers à être récompensés en raison de leur âge et leur ancienneté. Son Excellence le ministre de l'Agriculture a voulu nous honorer. Il nous a propulsé, nous les femmes, nous les dames. Nous avons fait longtemps ici à l'agriculture sans avantage. Aujourd'hui pour moi, c'est une joie. J'espère que la promesse du ministre va pouvoir se réaliser pour les autres collègues, de façon à ce que nous formions un groupe qui est intègre, qui puisse travailler la main dans la main afin de réaliser le programme du chef de l'État. Au nombre des directeurs, on compte 6 femmes. Le ministre Mpanda a insisté sur l'engagement, l'abnégation qui doit conduire ces hommes désormais sur terrain.
Et si au cours d'une conférence de presse tenue hier mardi au centre CEPAS que le rassemblement des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo, RAPEC en abrégé à travers son président Bukassa Katambay Pierre a adressé un mémorandum à l'attention du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, il demande au chef de l'État de travailler avec les technocrates maîtrisant leur secteur et se disent disposés d'apporter leur expertise afin d'atteindre sa vision d'autosuffisance alimentaire. Agriculteurs, éleveurs, pêcheurs de la République démocratique du Congo rassemblés au sein de l'Union nationale des agriculteurs créée depuis 2001 et du parti politique RAPEC, venons par la présente féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, de sa réélection au niveau du pays. En effet, lors de votre investiture, nous avons suivi attentivement les discours que vous avez prononcés et sommes très contents de constater que notre domaine a été un domaine d'appoint. Monsieur le Président de la République, c'est pourquoi nous venons par la présente vous soutenir à 100% dans votre vision. Mais demandons que cette fois-ci, pour le deuxième mandat, qu'il y ait des technocrates de notre corporation au niveau du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et Élevage, ainsi que du Développement Rural. Nous tenons à vous faire remarquer que depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, tout a été dit sur le ministère de l'Agriculture, mais malheureusement, la vision est restée une vision morte. Nous osons croire qu'en nous mettant ou en mettant les technocrates connaissant bien notre domaine, nous allons vous apporter un soutien à votre vision et nous osons croire que nous arrêterons avec les importations. Parce que nous sommes persuadés qu'au bout de 5 ans, nous pouvons arriver à l'autosuffisance alimentaire. Et nous avons un plan. Ça fait plus de 30-40 ans que nous, Congolais, sommes dans le domaine et faisons tout pour comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. Que ce soit les tracteurs, que ce soit la main d'œuvre. Au jour d'aujourd'hui, nous avons sur les 100 millions de Congolais, 80 millions de Congolais qui n'arrivent pas à travailler. Mais ces 80 millions font un semblant dans le secteur agricole. Mais sauf que mal utilisé, parce que nous osons croire qu'au jour d'aujourd'hui, votre grand défi, c'est remettre le peuple congolais au travail. Allez, on va passer au sport. Suite à ce dernier 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et l'Afrique du Sud, où l'équipe d'Hugo Bros s'est qualifiée 2-0 hier soir. On connaît désormais les 8 nations qui joueront en quart de finale. Les Bafana Bafana rejoignent ainsi le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, la République démocratique du Congo, la Guinée et le Nigeria, l'Angola. Ainsi débutera ce vendredi à 18h avec un duel entre le Nigeria, triple vainqueur de la compétition, et la sensation angolaise. Le soir à 21h, la République démocratique du Congo, qui avait éliminé les pharaons d'Égypte, ira défier la Guinée. Allez, place au rappel des principaux titres. Félix Tshisekedi durcit le ton face aux ambassadeurs accrédités en RDC. Il n'est pas question de négocier avec les rebelles qui occupent illégalement le sol congolais. Le président de la République s'exprimait au cours de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Insécurité dans les communes périphériques de Kinshasa, dans le quartier Mikondo, dans la commune de Kimbanseke. Les populations quittent leur habitation, même les agents commis à la sécurité ont déserté les soussiates. Un cri d'alarme est lancé pour solliciter un retour à la paix et le rétablissement de l'État pour contrer le phénomène Kuluna qui a élu domicile. Et à Kimpese, dans le Congo central, un couvre-feu est décrété pour mettre fin à l'insécurité. En sport, les hostilités des quarts de finale démarrent ce vendredi à l'affiche Nigeria-Angola, République démocratique du Congo-Guinée. Hier, en 8e de finale, les Bafana Bafana ont rejoint le Mali et la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert. Ce journal est ainsi terminé. À tous, merci de l'avoir suivi et surtout, restez pour la suite qui est la revue de presse.
Les titres de ce mercredi, c'est avec Benjamin Moudiata qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci à vous d'être là. Alors, devant les diplomates réunis à Kinshasa, Tshisekedi ferme la porte à tout dialogue à Kagame. Eh bien, Arlette, c'est les titres à la une des plusieurs tabloïds de Paris ce mercredi à Kinshasa la Belle. Commençons avec Econews qui place le sujet à la une, tel que vous pouvez le lire sur ces grands écrans. Eh bien, devant les diplomates réunis à Kinshasa, Tshisekedi ferme la porte à tout dialogue avec Kagame. Ce média rapporte dans ses colonnes intérieures qu'aucun dialogue ne peut ni ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, ne serait-ce qu'une petite portion de notre territoire. Ce sont le terme plutôt équivoque, Arlette, prononcé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, devant des corps diplomatiques réunis à Kinshasa dans le cadre, n'est-ce pas, de la traditionnelle cérémonie de la présentation de vœux pour l'année 2024. D'un média à un autre, Arlette, devant les corps diplomatiques, Tshisekedi rejette tout dialogue avec Kagame, c'est les titres à la une du journal L'Avenir. Ici, Arlette, les tabloïdes soulignent quelques détails essentiels, entre autres la reprise in extenso, n'est-ce pas, de l'allocution du chef de l'État, mais aussi le média souligne que tant que perdurera cette situation, c'est-à-dire l'insécurité dans la partie est de la République, les FARDC demeureront, quoi qu'il en coûte, commises à la poursuite de l'armée rwandaise sous couvert de M23, et ce, jusqu'à à leur dernier retranchement, a affirmé le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, on va quitter comme ça Kinshasa pour aller à l'Équateur où on parle de vives tensions post-électorales à Makanza et l'UDPS Tshisekedi est pointé du doigt. Bien exactement, hein, Arlette Boutella, c'est ce que relaye beaucoup de médias depuis ce matin, à l'instar de Info 27. Qui peut déjà apparaître sur ces grands écrans que vous pouvez lire avec moi, avec comme titre « Vive tension post-électorale à Makanza dans l'Équateur », l'IDPS Tshisekedi pointé du doigt. Ce journal souligne qu'au fond du fait qui dérange en fait à Makanza, il y a une délégation. La délégation du procureur de la République près la cour d'appel de Mbandaka, chargée bien sûr des enquêtes dans ce coin du pays après le cas de fraude électorale qui ont été récemment recensés, qui n'a pas réussi à arrêter l'administrateur du territoire ni le chef des secteurs qui non seulement se sentent terrés en lieu sûr, comme le reprend ce journal Arlette, mais aussi parce que la tension créée par les militants de l'UDPS, parti au pouvoir, n'a pas favorisé leur arrestation. Au regard donc de réalité sur le terrain, la délégation a décidé de repartir en Mbandaka, mais Bréduille. Avec le même titre, Arlette, voyons ce que le média en ligne netiknews.cd nous dit. Il pointe que la société civile est en train de s'interroger. Pourquoi les gens qui sont au pouvoir peuvent s'ériger en fauteurs de troubles, agents des désordres? D'autre part, avec le climat délétère, n'est-ce pas, entretenu à Makanza, poursuit l'article, quelle suite peuvent-ils réserver à tout ce cas de fraude électorale décrié avec preuve irréfutable? La même société civile, Arlette, est en train de dire à la chute de cet article. Elle exige donc que toute la lumière soit faite sur les dossiers par de services compétents. Voilà qui me fait un autre tour d'horizon de ce mercredi 31 janvier 2024. Je ne peux que vous dire merci. C'est moi qui vous remercie, Arlette. Et bien, le téléspectateur, vous l'avez compris, ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles et branchés sur Télé 50. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd.